Et bonjour à tous, on se retrouve sur Surviving Mars avec... Eh bien la bouffe, on n'a pas tant de surproduction que ça en fait. Je suis en train de me rendre compte qu'on a l'air de stagner. Faut qu'on calcule. Mais c'est possible qu'il faille que je refasse un deuxième grand dôme de nourriture là-haut. Je pense qu'on peut se permettre de le faire peut-être pas loin de l'eau, par ici. Ça peut être pas mal. On a ce dôme en tout cas qui est en construction pour évidemment avoir... Les métaux. Ah, réseau autonome. Qu'est-ce que c'est réseau autonome? Ça me plaît, ça. Ne nécessite plus ni énergie ni maintenance. C'est pas mal. C'est pas non plus incroyable, mais c'est pas mal. Tantant. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait, mais c'est pas indispensable. On n'est pas très loin des 1000 colons. Il nous manque une stat globale sur les colons, quand même. Colons, colons. Ah, en passant de travail, 62 sans domicile. Ah, sans emploi, 1. Sans domicile, 12. Ça swap, je crois. Alors, enfant, on en a 80. Adolescent, 40. Adulte, d'âge moyen. On a beaucoup de seniors. Il nous reste 150 terriens. C'est normal, on en a amené récemment. Mais on a beaucoup de seniors. C'est un petit peu gênant. On a 3 renégats que je ne gère pas. C'est pas grave. Globalement, le confort est bon, le moral est moyen, mais le confort est bon. Bas niveau de polymère, c'est normal. On en a plus que 17 parce qu'on est en train de tous les avaler là-dessus. Sinon, on a un champ en plus, on a 4 champs là, c'est pas mal pour la recherche. On va refaire quand même un dôme bouffe, hein. 638, j'ai l'impression que ça chute. J'ai l'impression qu'on était à 900 et... Mais c'est cyclique, je ne saurais pas comment dire. Sauf que là, on vient d'avoir la production du quinoa, c'est pour ça que c'est cyclique. On va voir. C'est là qu'il nous manque des courbes, vous voyez? Ça aurait été bien. Les traîneaux colons. On a beaucoup d'ingénieurs, botanistes. On a 300 en spécialisation, c'est énorme. Très rare, gourou. On a 4 génies, 4 vedettes, 7 saints et 5 gourous. Cool. La construction est en train de se faire. L'oxygène, on devrait être large. Si je dis pas de bêtises, on a 8 de rab. Donc, on va pouvoir faire directement. Je préfère faire des archéologies. Hein. On a un problème de place en population et l'archéologie permet de. Alors, c'est pas le. Disons que les autres trucs sont bien, ça permet de virer, de faire un centre médical, ce genre de choses, mais je trouve l'archéologie beaucoup trop fort. On va faire les classicos, comme d'habitude, dans n'importe lequel. Tiens, on va le faire ici. Donc, une infirmerie, un petit restaurant et une épicerie. Avec des petits jardins. Ça fait penser que j'ai peut-être oublié. De faire des petits jardins dans le grand dôme. Ah mais non, parce qu'on peut pas en mettre là. Mais j'ai quand même oublié de mettre un petit jardin ici, c'est important. Ouais, secteur scan, cool. Donc ça c'est fait. Et on va mettre des habitations, bien évidemment. Alors, ouais, on va mettre double appart, je pense. Ce serait bien de remettre des écoles en soi. Une école, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Une université. Une. Un terrain de jeu. Avec crèche. Et un petit magasin pour leur bonheur. Magasin d'électronique, on peut se permettre de le faire parce qu'on produit énormément d'électronique alors que polymère, on en manque un peu. Un petit jardin au milieu. Ici, le petit jardin est déjà fait. Donc tout ça c'est bon. Je pense que maintenant on va faire des labos de recherche. Institut de sciences, ça prend beaucoup d'emplacement. Je pense qu'on va devoir remettre masse appartement en fait. On va faire comme ça et on verra ce qu'on rajoute. Parce qu'on a trois apparts quand même, ça devrait le faire. C'est la dèche des polymères. Oh, on a 3000. Oh, on a 17 000 d'énergie emmagasinée en tout, c'est bon. Ah, ça va bientôt sortir du sol, ça, 228.
Donc c'est assez spécial. C'est un petit soleil, c'est super beau. Et autour, on va pouvoir mettre des panneaux solaires qui sont alimentés en continu. Mais il faut qu'on le fasse bien. Et normalement, la question se pose même pas. Je crois que c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Alors, on a un décalage. On a un décalage. Ah non, c'est bon. Hop. Ensuite, faut qu'on fasse un câble d'alimentation tout autour qui tourne. C'est là qu'on a un décalage. On va déconstruire. On pourra en mettre un de plus. Je crois, si je dis pas de bêtises. Non, on a encore un décalage de 1. Ces deux-là. J'aurais dû le faire dans un sens directement et pas commencer par le bord là. C'est pas grave hein, pour ce que ça coûte. Ça coûte combien les panneaux solaires? C'est du métal. 4, puis on récupère de toute façon. Voilà. Et donc du coup, on va faire notre câble d'alimentation ici, qui tourne autour comme ceci, et qui nous rejoint ici. Et on peut refaire des panneaux solaires sur la partie extérieure. Et on va pouvoir virer toutes nos éoliennes en vrai. Oh mince, on a un terrain inégal ici. Oh, on n'a pas optimisé à 100%. Dommage. Je pensais pas que c'était aussi large que ça. Et on peut pas terraformer le terrain. Alors ici, on a besoin du passage. On oublie celui-ci. C'est dommage. Donc non, toute la zone, c'est où là où nos panneaux solaires vont pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. Grâce au mini soleil qui est bientôt construit d'ailleurs, 242. Il manque un peu de. Hop. Du coup, on aurait pu faire la sortie ici peut-être. Ah ouais. Du coup, j'avais un emplacement en plus. Mais c'est pas grave, je l'ai fait ici. On va la maintenir ici. Et ça va avoir besoin de flotte tout ça. Hop. Donc on peut déjà d'entrée. Faire un tuyau. Est-ce qu'on interconnecte là-haut? Non, on s'en fout. Toum, toum. Et en gros, donc ça c'est un mini soleil. Et comme il est clair autour, on voit la zone d'affectation autour. Où on peut mettre des panneaux solaires qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ah! Liquéfaction de la roche stérile. Alors ça va être rigolo. Regardez. Ah oui, regardez la bouffe, on est monté à 1200. Regardez mon stock de béton. Regardez. En gros, toutes ces roches, ils vont les transformer en béton. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Regardez bien mon stack de béton. C'est assez rigolo. Ça, c'est la recherche du bonheur. Adieu toutes ces roches stériles. Donc on était à 400 il y a 2 secondes, on est déjà à 600. On manque de métaux, hein, c'est terrible. J'ai un bâtiment non fonctionnel, je sais pas lequel c'est. Vas-y, recharge-le. Pourquoi ça m'a mis autant de. Je sais pas pourquoi ça me sélectionne certaines de temps en temps des colons. C'est pas comme s'ils voulaient me parler en fait. On a encore ça à rechercher. Donc la prod de nourriture, c'est good, hein?
Globalement, ils sont contents et on produit énormément. Bon, maintenant, la nourriture. Le dôme là-haut, c'est fini au fait? Pas encore. Hein. Manque de poli. On a quoi? 8 travail libre pour 21 résidentiels. Bon, on va avoir plus de résidentiels. Ça y est, ça commence. Quarante-quatre résidentiels. On a encore deux bâtiments à faire. Ok, c'est bon. Même si j'en produis 50 gîtes de polymère, j'ai 10, j'ai 21, il me reste un delta de 30, ce qui est énorme. Mais ça suffit pas. Béton 860, on continue. Et mes stocks de... Voilà, regardez, mes cailloux commencent à se vider. On peut du coup virer les décharges. Et les décharges comme ça vont disparaître. Alors en soi, c'est pareil, on va faire des stocks à certains endroits, des énormes stocks de béton. Pas de métaux, béton. Pour qu'ils soient forcés à les transformer. Pour qu'on puisse virer tous ces trucs-là. Ici, on en a 6, ça suffira. Ici, ils sont en train de les transformer. Ici, ça pourrait être pas mal. On a un mini cap qui traîne ici. Ouais, éviter de laisser des trucs comme ça qui traînent. Même là. Ah, 8, on arrive au bout du métal. Ça les vire à une vitesse. Ah, ça fait du bien, tout cet emplacement libre. Bon, il reste plein de cailloux là qu'il faut qu'ils récoltent, mais... Voilà, on a 1200 de béton. Ah oui, le métal, ça commence à être chaud. Mais de toute façon, on en produit là-haut, hein, je crois. Tout fonctionner au 3-8, frérot. Si... Il nous reste combien? 31 résidentiels pour 19 de travail, mais il nous reste pas mal de trucs. On va faire venir une petite fusée. Fusée de transport, allez, let's go. Je pense qu'il y a... Résidentiel 30, sachant qu'il reste 2. Il reste quoi? Un seul résidentiel à construire? Il faut que je refasse des résidentiels. Peut-être calmant une zone à grosse population. Au niveau de la recherche, on a le logement collectif qui ajoute du bonheur. Il va nous falloir faire le projet Mohall après, je pense. Pour l'instant, on va rester au deux tiers. Et lui au deux. Ouais, on manque de métal. 38. Ah oui, on a une consommation des métaux qui est énorme. Toi, tu vas arrêter aussi, ça sert à rien. Les petits problèmes de métaux. On a du financement ou pas? 315 millions, c'est pas beaucoup. C'est tous les panneaux solaires que j'ai fait. C'était intelligent, moyennement, quoi. D'ailleurs, il s'est construit le soleil. Ah, regardez, il est en train de se construire. Ça y est. Il apparaît, il est en train de se construire. C'est tout ça, en fait. Ça coûtait la peau du cul. C'est pour ça que j'ai autant de maintenance. Ah non, j'ai que 5-5-5. Comment ça se fait que j'ai autant de consommation? C'est mes usines de pièces d'électronique, je pense. Ouais, c'est ça. Regardez. Alors ça va s'allumer, ça a juste besoin d'une chier d'eau. Notre eau va être... Voilà, en négatif, moins 57, parce qu'on a une demande en eau de 186. Ça demande 100 en eau. Jusqu'à ce que ça monte à 1000 de réserve. Voilà, on a eu notre jalon, la merveille. On peut la regarder d'ailleurs, elle est ici. Sol 150, ouais. J'ai pris mon temps. 1000 colons, là bientôt, il nous reste 1000 colons et scan de tous les secteurs. Donc là, ça va charger en eau jusqu'à ce que c'est 1000 d'eau. On est à moins 67, mais ça va encore. On a trouvé une anomalie, cool. Et dès que ça va avoir 1000 d'eau, ça va créer le soleil. Et alors, regardez l'énergie, on a 353, vous allez voir. Hein.
Il manque des métaux pour le construire. Faudrait que j'aille chercher des métaux avec mes transporteurs en fait. Donc 356 d'énergie, attention, c'est bientôt plein. De réserve d'eau, attention! 197, 1397, un petit bonus de 1000, et voilà. Et là, ça consomme plus d'eau. Et c'est vraiment un mini soleil, hein, c'est trop classe. Il maintient dans un champ magnétique. Je pense à Spider-Man. Et le truc, c'est que maintenant, mes panneaux solaires fonctionnent 24 heures sur 24. Alors, ils produisent que 5, mais vu la quantité que vous en mettez qui fonctionne 24 heures sur 24, c'est assez important. C'est pas aussi bien que les éoliennes, parce que j'ai pas eu le boost, alors que sur les éoliennes, j'ai des boosts et elles produisent 15 chacun. Elles consomment que des pièces détachées, donc on peut se permettre. Où est-ce qu'on aurait des dépôts de métaux assez conséquents? On va regarder en scannant comme ça, 6, 13, 25, à 98. Ici, on a 98, on a une fusée qui est arrivée au passage. On va la poser. Ah, on n'a pas de drone à proximité. Eh oui, on est hors champ. Donc on va faire un petit réseau de drones ici. Donc, no notre ami le transporteur. Je crois que c'est. C'est ici. 98, ouais. Mine de rien, 98, c'est pas rien. Ok, il y va. On a une anomalie qu'on a trouvée. Elle est où? Elle est là, ok. Faire venir là. Lui, on va le laisser là-haut avec les transporteurs. Il va avoir besoin de recharger. On va essayer d'amener. Hop. Mon polymère, on est en train de remonter. C'est bon. Sur plus d'eau, ils sont en train de recharger tout. Donc on a un large sur plus d'eau quand même. La nourriture, on va peut-être faire des stocks, des dépôts de nourriture. Ceux-là m'ont l'air un peu pleins. Et celui-là est mal construit. Il y a 40 travail libre et 24 résidentiels libres, sachant qu'on a fait tous les trucs, on va en avoir 24 de plus, 48, c'est parfait. On peut même refaire un résidentiel en plus et passer au 3-8. En soi, on peut. On sait juste que ce bâtiment va nous consommer beaucoup de. Ah, on a un météore qui est tombé quelque part. Ça va consommer beaucoup de nourriture, ça. Logement collectif, cool, du bonheur. C'est quand le bonheur? Remplace les défauts supprimés par des talents aléatoires. C'est pas mal, mais on n'a pas de sanatorium, donc on s'en fout. Projet Moal en 3, on a la maison intérieure. Ah, sans avoir plus de navettes. Capacité de stockage. Qu'est-ce qu'on a dans les vieux trucs qu'on n'a jamais fait? Métaux rares, on s'en fout. Ça aurait pu être bien. Ouais, c'est lui. C'est pas grave, il va aller se recharger. Bon, du coup, le béton, on a combien? Ah, 2003. Oh, on a 2500 de bouffe. Ah oui, on est large. Bon, j'avais des problèmes de bouffe, on les a résolus. C'était just quand même, hein. C'est pour ça il faut vraiment anticiper. Je pense que la plus grande erreur, et que j'ai souvent fait, c'est que c'est un jeu. Alors, c'est pour ça que c'est un peu difficile d'en faire des vidéos. C'est un jeu. Ou par moment, on stagne pendant longtemps. Il faut faire gaffe, faut pas aller trop vite. Si on va trop vite, c'est un suicide. C'est-à-dire que. Qu'on en laisse une ou deux, quand même, parce qu'on a un extracteur de métal. C'est-à-dire que si on va trop vite, ben, d'un coup, on peut se retrouver vraiment dans le rouge très rapidement et remonter la pente derrière est extrêmement dur. Mais continue à produire 1,3, ouais. Donc, faut faire super attention à ça. Ne pas aller trop vite. Voilà. Mais comme. Donc c'est pour ça que c'est difficile en vidéo, parce que moi j'essaye d'aller avec un minimum de vitesse, sinon on n'avance pas.
Et sauf qu'on peut pas trop le faire. Ouais, c'est une. Bien petit drone, vous avez bien travaillé. On les vire au fur et à mesure. Donc on a plus beaucoup de rush stérile. Là, on en a encore. Je crois pas qu'on puisse tous les supprimer d'un coup. Ouais. Par contre, du coup, on va faire des emplacements à béton ici. Ça prend moins de place sous forme de béton que. Et ceux-là, ouais, c'est pareil, on n'a pas fait de stockage de béton ici. Doit suffire. combien on a? 35 travail libre pour 28 résidentiels, sachant qu'on n'est pas au 3-8. Tu peux te barrer, non? T'es toujours en train de décharger la bouffe. Notre ami le petit roboto, hop. Il va aller analyser ça. Plus vite que ça, frérot. Heureusement que je peux exploiter. Alors, je sais pas à quelle vitesse ça se vide, ça, quand même. Et on a consommé déjà 10 000, hein, mine de rien. Ça va vite. Ça va relativement vite. Il est où celui-là? Ouais, on va mettre un peu plus de contrôleur. Tout, tout, pou, pou, pipi, dou. On va mettre quand même une petite décharge. Just in case. Qu'est-ce qu'il en manque? Du béton? Ah, c'est juste qu'il est loin. Ah non, mais ils sont trop occupés à décharger la fusée. Enfin bon, ça se passe bien. Ce qu'on retient. Ah, vous voyez, les écoles sont pleines. Hein. On va mettre Rêveur, c'est mieux. Vu qu'ils ont des compétences. Il est assez intéressant ce mystère pour le coup, parce qu'ils gagnent des gains de productivité les rêveurs. Ce qui est vraiment pas dégueulasse. Cool, on a gagné de la recherche. On est 80 000. Si ces trucs-là produisent pas beaucoup, 198, parce que c'est pas des. Ouais. On a besoin de combien ces scientifiques? Bon, on a bientôt nos 1 000 colons. Derrière, il faut qu'on attende le projet Mohall. Dans les recherches, c'est 20 000. C'est pour vous montrer celle qui. J'aimerais bien pouvoir. Je pense que c'est celle-là, la technologie qui reste, pour que je puisse. C'est juste un petit peu long là. Qu'est-ce que tu fais, la navette? Ah, elle a pris un mec, mais elle a mis du temps, c'est le temps qui sort. Putain, la production de nourriture de ce biome! Un délire. C'est pour ça, hein, j'ai 2007 de nourriture. Je pense qu'on pourrait refaire un biome du plaisir. Ou un grand homme. J'ai pas vu où il atterrissait. La question, c'est qu'est-ce qu'on exploiterait dans un grand homme? Des métaux, hein? Ouais, ah oui. Je pense qu'on va devoir aller faire un dôme ici spécialisé en extraction de métaux. On a 2000 plus 7003. Ah, 2006. Je peux pas en faire un suffisamment grand entre les deux, non. Et ici, on a combien? 2007 et 2004. C'est beaucoup mieux ici. Mais à moins que j'arrive à en faire un gros ici, je vais regarder. Ah, c'est ce que je craignais, terrain inégal. Et là, on.
Sinon, faut faire. Ouais, non, c'est des métaux rares dans le noyau. Ici, on a combien? 1024, c'est pas ouf. Après, on peut se focaliser sur un gisement en 2008, c'est pas mal. On en a un autre 700 à côté. On peut faire un mégadome ici. On va le faire, on va le faire. On va se permettre de faire un tunnel, mais faut qu'ils amènent tout en navette, ça va être long. Bon, c'est pas grave. On va faire un tunnel ici avec sortie. Ici, un contrôleur de drone directement à côté. On en fera un là et un là. Ça va être long à construire, hein, c'est le problème. Mes tuyaux, c'est pas un problème, ils se font directement. Nos amis là, qui prennent plus. On est déjà à 4? Oui, on est déjà à 4. Ouais, et surtout du minerai. Elle peut repartir, allez, casse-toi la fusée. Pour le reste. Ah, métaux rares, on en a plus! J'ai pas fait gaffe! À l'aide! Bon, les métaux rares, c'est pour les pièces détachées, donc c'est pas trop gênant. Il va falloir qu'on les exploite. Est-ce qu'on peut l'exploiter ici? On a combien? 25 résidentiels pour 10 de travail. On va exploiter des métaux rares. Sont pas au 3-8, mais. C'est juste, c'est dommage que ce soit pas des scientifiques, ils rapportent rien. 376, là où une focus scientifique nous rapporte maths. 1037, parce que c'est quasiment que des scientifiques. 1043 aussi. Réacteur à haute puissance. Cool, c'est pour les navettes. Du coup, on peut en faire plus. Non, elle peut juste transporter plus de choses. C'est déjà très bien. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. On va avoir la maison intelligente. On voulait en caser une. Là, il restait. Comme je vous dis, ce qui nous reste, c'est vraiment le projet Mohall qui va être important. Les empreintes aliens aussi. Ok, ça, on est bon. Les docteurs, on s'en fout. On s'en fout. On va faire ça pour les catastrophes, ça peut être bien. Ok, là où ils ont plus d'énergie. Recharge-les. Ils sont combien en métal? 36, ils sont pas full. Tu. Et on va devoir se laisser bientôt. Toujours des câbles défectueux à certains endroits, mais c'est pas gênant. Les équipes sont bons. Ah, ils sont full là en termes de travail. Bon, on peut bientôt passer au 3-8 là. Il reste combien de résidentiels? 22 pour 8 travail libre, sachant qu'on va avoir celle-là. Ça, faut que je passe au 3-8, hein. C'est important pour les métaux. On est à 12 pour 21. Vingt pour 20, parfait. Donc métaux, métaux, métaux. Ah, on produit que 8. Je pense que c'est parce que. Ah, parce qu'on a peut-être fini le filon, non? Non. Il n'y a pas un extracteur de métaux rares quelque part à laquelle on aurait fini le filon. En vrai, celui-là, on peut le jarcler, hein, il produit plus rien, ça vaut pas le coup. On a 400 emplois. Ouais, bah ça en fait 2 en moins. Il fonctionne déjà tout au 3-8? Il reste qu'un sans emploi d'ailleurs.
Pas de chômage ni de poste de travail libre. Bah parfait. C'est ça qu'on veut. 17 travail libre pour 12 résidentiels. Ok, on a un peu plus de travail libre que... Maison intelligente, cool. On va pouvoir produire une petite maison intelligente, je crois que c'était ici. C'est une toute petite, ça augmente le confort global. Sinon on était déjà au 3-8 là-dedans, ouais. Ah, 972, ça a diminué d'un coup. Je pense qu'il y a des mecs qui sont partis à la retraite. Ça aide pas. Et oui, il leur manque des métaux rares. Ça, on peut virer en soi. On peut exploiter des métaux rares ici? Non, on n'a pas. Par contre, on pourrait exploiter plus de métaux. Il nous en reste 1900, on va faire ça. Casse-toi le réacteur à fusion. Ah, quoique. On va le laisser, on va le laisser, on va le laisser. Je préfère le surplus d'énergie. Si j'ai la recherche pour faire le truc, ce sera trop bien. Du coup, il nous faut des métaux rares, hein, comme je l'ai dit. Le dôme là-bas devrait le faire. Oui, il faut juste qu'on... Il y a besoin de quoi? Ok, faut... Non, en fait, il faut juste qu'on fasse... Dépôt universel. Deux. Et on en fera deux à côté de celui-ci. Et les navettes vont s'occuper du reste. Hop, on déploie. On a juste besoin de drones au début dans cette zone. Toi, t'es à 45, donc t'es bon. On va te charger à 45. Et on va le ramener là en lui disant de se décharger sur un universel. Hop. Hop, les navettes arrivent, déposent les pièces manquantes. En plus, elles en transportent beaucoup maintenant. Et à partir de là, c'est bon, c'est fini. Hop, dès qu'il a construit ça, emballé, c'est pesé. On va devoir augmenter le nombre de drones ici. 15, ça suffira. Tu remontes là-haut. Tu vas recharger notre frérot qui est à 45. Donc il pourrait se barrer. Lui, il est revenu. Il va se recharger là. Ah, c'est bon, il est chargé. On pourrait faire un petit dôme pour les métaux rares. Là, on a triple métaux rares. On va en faire un petit. Mais on va se laisser là pour aujourd'hui. On se dit rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.